Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de juillet. Et ce ne sera pas le dernier, étant donné que voilà, le mois de juillet étant assez tranquille pour moi, même si pour l'instant je ne suis pas officiellement en vacances. Enfin, au moment où vous aurez la vidéo aussi, enfin, mais pour l'instant non. Du coup voilà, il n'empêche que j'ai quand même plus de temps pour lire que d'habitude, et du coup bah, je me fais plaisir. Du coup dans cette vidéo j'ai 5 romans ainsi qu'un roman graphique à vous présenter. Je vous parlerai donc tout d'abord de La délicatesse du homard par Laure Manel. Ensuite, ce sera au tour de La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. Puis, je vous parlerai d'une lecture numérique, à savoir La seconde vie de Rachel Baker par Lucie Brémaud. Puis, ce sera au tour de Un pont sur la brume par Keish Johnson. Ensuite, il y aura Calpurnia par Jacqueline Kelly. Et enfin, je terminerai avec ma lecture de Momo de Jonathan Garnier et Ronnie Autain, donc les tomes 1 et 2. Du coup, je démarre tout de suite avec La délicatesse du homard par Laure Manel, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui me tentait depuis vraiment longtemps, je l'avais déjà repéré en grand format, puis en catalogue France Loisirs, puis en poche. Je pensais me l'acheter à sa mort en poche, vu que l'auteur était présente, mais comme vous le savez peut-être, je n'y suis finalement pas allée, puisqu'on faisait l'enterrement du garçon de mon meilleur ami, qui se marie le week-end prochain, à l'heure où je vous filme cette vidéo. Et du coup voilà, finalement je ne l'avais pas acheté, et je l'ai demandé au livre de poche, qui m'ont gentiment envoyé, donc je les en remercie. Mais en tout cas voilà, c'était un roman que j'avais très très hâte de lire, j'en avais entendu beaucoup de positifs, et du coup voilà, je l'ai démarré en lecture commune avec Marie et Mélissandre, je mettrai le blog de Marie en barre d'infos, et celui de Mélissandre aussi. Et du coup voilà, j'étais très curieuse de lire ça, et malheureusement, eh ben, on a toutes les trois été plutôt déçues par notre lecture. En fait, pour ce qui est de l'histoire, on suit une jeune femme qui se fait appeler Elsa et qui a décidé de plaquer toute sa vie pour s'enfuir le plus loin possible en France. Et donc du coup, elle va se retrouver à la pointe de la Bretagne. Et à cet endroit-là, en fait, elle est au bout de ses forces, elle est complètement épuisée. Et du coup, en fait, elle va être recueillie par un homme qui s'appelle François et qui va la ramener sur son cheval, puisqu'il est directeur d'un centre équestre. Et il va la ramener jusqu'à chez lui, où il va décider de l'héberger le temps qu'elle reprenne de ses forces. Et qu'elle fasse le point, qu'elle sache ce qu'elle veut faire ensuite et où aller ensuite. J'ai bien aimé ce point de départ, même si c'est vrai qu'il y avait un peu le côté prince charmant sur son cheval blanc, mais sinon voilà, pour ma part j'aimais bien, plutôt bien le début, même si c'était assez lent et qu'on avait un peu envie de savoir quand même ce qui se passait. Par contre, là où c'est un peu plus péché pour moi, c'est sur la seconde partie, quand les deux personnages finissent par vraiment se rapprocher, puisque bon voilà, sans grande surprise, il va y avoir une romance. Et ce qui m'a gênée en fait dans leur rapprochement, c'est le comportement de François à partir de ce moment-là, étant donné que j'ai trouvé qu'il avait tendance à faire de nombreuses remarques assez sexistes, qui m'ont pour ma part beaucoup dérangée. Et en fait, ça contrastait beaucoup, parce que je trouvais que c'était un personnage que j'aimais vraiment bien jusque-là. Et même quand il commence à se courtiser un peu avec Elsa, qui commence à développer des sentiments l'un pour l'autre, mais à partir du moment où officiellement c'est bon, ils sont tous les deux d'accord sur le fait qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, à partir de là, vraiment, j'ai trouvé qu'il changeait complètement et j'ai pas du tout aimé les remarques qu'il peut faire. Et voilà, ce sont des choses qui m'ont vraiment beaucoup dérangée, et je pense que ce sera pas le cas de tout le monde. Je sais que pour ma part je suis plutôt sensible à tout ce genre de choses, mais j'ai vraiment trouvé que c'était des remarques machistes, et c'est pas du tout ce que j'aime lire. Donc voilà, du coup vraiment ça a été un gros bémol pour moi, même si j'aime beaucoup l'histoire d'Elsa, et même si j'étais plutôt très émue par la fin en ce qui concerne son histoire, il y a vraiment d'autres choses qui m'ont vraiment trop dérangée. Je vais pas trop vous dire, parce qu'il y a pas mal de petites choses qui vous spoileraient sur l'histoire si vous avez envie de la lire. Mais voilà, pour moi ça l'a pas fait. Et du coup j'ai mis la note de 13 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu La colline aux esclaves par Kathleen Grissom, publié aux éditions Pocket. C'est un roman que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Et je me suis enfin lancée, et on l'a lu du coup en lecture commune avec Clémence, donc de la chaîne Pensine Ivana. On avait déjà fait une autre lecture commune ensemble qui traitait également de l'esclavagisme. Il s'agissait de Bluebird, qui était lui un roman jeunesse. Du coup voilà, on avait très envie de le découvrir toutes les deux, et pour le coup ça a été une jolie découverte. En fait, on suit dans ce roman deux personnages principaux qui vont nous montrer en fait toute l'étendue de ce qui se passe au sein d'une plantation dans le sud des États-Unis, et ça se passe en 1791 au début. Donc en fait, on va suivre deux points de vue, comme je vous disais. Le premier, il s'agit du point de vue de Lavinia. Lavinia, c'est une jeune enfant qui a 6 ans au début du livre et qui en a une vingtaine d'années sur la fin, puisque c'est un roman qui se passe vraiment sur une très longue période.
Donc Lavinia au début est une enfant qui a été envoyée avec son frère depuis l'Irlande pour traverser l'Atlantique et pour essayer de fuir la misère dans laquelle ils vivent. Entre-temps, elle va perdre son frère, elle va le perdre de vue, et du coup Lavinia va être récupérée par le capitaine qui est également du coup le dirigeant de la plantation, le propriétaire de la plantation, c'était le mot que je cherchais. Et du coup, il sait pas trop quoi faire de Lavinia, et il va décider finalement de la mettre avec les esclaves, mais en sachant que Lavinia est irlandaise, donc du coup elle est blanche, et voilà, du coup son statut est un peu particulier, puisqu'on ne sait jamais trop si elle n'appartient pas à la maison, ça c'est sûr, mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment une domestique, étant donné que les domestiques sont noirs? Ben, pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, du coup il va décider de la confier à une jeune domestique qui s'appelle Belle, qui a une petite vingtaine d'années, je crois, au début du livre, et qui va du coup prendre en charge Lavinia. Et du coup, le second point de vue qu'on va suivre, il s'agit de celui de Belle, en sachant que le point de vue de Belle, à chaque fois, ce sont de très courts chapitres, alors que ceux de Lavinia sont plus longs. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce double point de vue, j'ai beaucoup aimé la situation de Lavinia, qui est vraiment particulière, puisque voilà, elle a ce statut d'entre-deux qui est intéressant à suivre. J'ai trouvé qu'au début c'était un petit peu compliqué de se repérer dans le livre parce qu'il y a énormément de personnages et qu'on apprend un peu à tous les connaître, et du coup voilà, c'est vrai qu'un petit arbre généalogique ou ce genre de choses n'aurait vraiment pas fait de mal de mon point de vue, mais en tout cas une fois qu'on apprend vraiment à savoir qui est qui et comment se situent les personnages les uns par rapport aux autres, c'est comme une sorte de grande famille qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir à suivre. J'ai beaucoup aimé également le capitaine qu'on suit assez peu, enfin d'assez loin, et le fait que ce soit un propriétaire terrien vraiment très différent de ce qu'il y a d'habitude. J'ai beaucoup aimé également le fait que de nombreux personnages ne sont ni vraiment gentils ni vraiment méchants, à part certains, et que du coup voilà, il y a un côté très ambivalent et assez compliqué pour savoir ce qu'est chacun d'eux, et j'ai beaucoup aimé ça également. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ça se passe sur une longue période. Donc voilà, vraiment pour moi ça a été une très belle lecture. C'est vrai que c'est un livre qui est assez lent globalement, mais j'ai beaucoup aimé, et du coup j'ai mis la note de 17/20. Ensuite, j'ai donc lu La seconde vie de Rachel Baker par Lucie Brémaud. Donc la couverture est comme ceci, en couleur normalement. Et donc c'est publié chez LibriNova, qui est une sorte de plateforme d'édition qui aide des jeunes auteurs à se faire connaître. Et si le livre dépasse un certain nombre de ventes, en fait après LibriNova se charge de vendre le livre en gros à des maisons d'édition plus classiques pour que le livre ait une seconde vie. Donc voilà, je trouve que c'est un chouette procédé. Et du coup, La seconde vie de Rachel Baker, c'est un roman qui était proposé par l'auteur Lucie Brémaud, qui proposait de l'envoyer en fait au blogueur. Et du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant que ça me disait bien parce que le résumé m'attirait beaucoup. Et j'ai bien fait parce que vraiment ça a été une jolie découverte pour ma part. Donc c'est un roman qui est assez court, il fait 200 pages environ. Et pour ce qui est de l'histoire, on va suivre du coup l'histoire de Rachel Baker, qui est une jeune femme américaine qui va être la seule survivante d'une tuerie, étant donné qu'elle bosse dans un diner, je crois, et il y a trois hommes armés qui entrent et qui tuent absolument tout le monde, sauf elle. Elle ressort très traumatisée de tout ça, et elle a besoin qu'il se passe quelque chose pour qu'elle puisse faire son deuil. Et ce qu'elle va faire du coup, c'est qu'elle va tuer l'un des tireurs, elle va l'abattre de sang-froid au moment où il doit se rendre au tribunal pour être jugé. Et du coup, eh bien, elle va se retrouver emprisonnée à cause de ce qu'elle a fait, et pour purger sa peine. Du coup on va la suivre, il y a une grosse partie du livre qui se passe en prison, et on la suit également un petit peu après pour voir finalement voilà, sa reconstruction, parce qu'on comprend vraiment que pour elle, c'est jamais un acte qu'elle va regretter, elle le tue, et c'est vraiment pourquoi elle le tue tout simplement parce qu'elle se dit que voilà, elle a besoin que ça se soit fait pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir tourner la page et pour pouvoir faire le deuil de cette tuerie et des personnes qu'elle connaissait et qu'elle a perdues à ce moment là. Donc voilà, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la psychologie de Rachel, j'ai beaucoup aimé la petite histoire d'amour qu'il y a à l'intérieur de ce livre, qui est une histoire d'amour très belle et assez forte, mais qui pour autant ne prend pas forcément le dessus sur le roman, et en plus de ça qui est assez inattendue. Et j'ai également beaucoup aimé les nombreux points de vue qu'on peut suivre. On suit notamment pas mal de points de vue de femmes, surtout dans la prison pour femmes. Et ce sont des femmes que j'ai toutes beaucoup aimé suivre et beaucoup aimé découvrir. Donc voilà, vraiment pour moi ça a été une très belle lecture. Je vous le remontre. Voilà, n'hésitez pas à découvrir ce roman si ça vous tente. Pour ma part, je lui ai mis la note de 18/20.
Ensuite, j'ai donc lu Un pont sur la brume par Keith Johnson, publié aux éditions Le Bélial dans leur collection Une heure lumière. C'est une collection que je vois passer depuis longtemps, j'étais assez curieuse de la découvrir, puisque voilà, ce qui est proposé, ce sont des courts romans d'environ une centaine de pages qui peuvent du coup en théorie se lire en à peu près une heure et qui sont des romans fantastiques ou de fantasy, enfin en tout cas d'imaginaire. Et voilà, du coup j'étais assez curieuse de découvrir ça. Celui-ci, c'est ma grand-mère qui me l'avait passé puisqu'elle l'avait déjà lu. J'ai bien aimé ce dont ça parle. En fait, ça parle de l'histoire d'un. Enfin, ça parle de la construction d'un pont qui passe au-dessus de la brume. Félicitations. Non, en fait, c'est l'histoire d'une rivière qui sépare deux villes qui s'appellent Proche-Ville et Loin-Ville. Et la rivière qui traverse. Enfin, la rivière qui passe entre les deux est un fleuve plutôt qui est assez large et qui est couvert de brume. Et c'est une brume qui peut être très dangereuse puisqu'il y a en fait des grosses créatures à l'intérieur et du coup, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent au cours de la traversée et qui n'en reviennent jamais. Du coup, il y a une famille de personnes qui s'appelle les Bacs et qui sont chargées d'acheminer le bac pour faire l'aller-retour entre les deux. Et c'est une famille dans laquelle il y a vraiment beaucoup de décès. Et du coup, nous, on va suivre l'histoire de Kit Maynham qui vient de la capitale, donc qui est assez loin, et qui est chargé de construire un pont au-dessus de la brume, en sachant que du coup il faut que le pont fasse plus de 600 mètres, fasse plus de 60 mètres de haut, et c'est un fleuve assez large, et ils ne peuvent absolument pas s'ancrer dans le sol, et en plus il faut que tout soit dans des matériaux assez particuliers, puisqu'en fait la brume est complètement corrosive, et que si on ne la fait pas dans certains matériaux, et bien la brume mange complètement ce qu'on y met. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait à la fois dans ce livre du coup, le défi architectural et d'un autre côté l'aspect fantastique avec cette brume qui est assez terrifiante. Et j'ai beaucoup aimé également les deux personnages qu'on suit, puisqu'on suit du coup Kit et une femme donc, qui est actuellement la personne chargée des bacs. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux personnages-là, j'ai beaucoup aimé également l'aspect très mélancolique qu'il y a dans ce roman. Par contre, je regrette un peu, pas la construction, mais le rythme qui est donné au récit, à savoir qu'on comprend bien dans le livre que c'est un livre qui se passe sur de nombreuses années, enfin qui se passe ouais, sur plusieurs années, parce que la construction est très longue et que c'est un énorme projet. Mais j'ai trouvé que le début était assez décrit, alors que la fin pas trop en fait. Et du coup voilà, je regrette un petit peu ça. Mais sinon, c'est une lecture que j'ai vraiment bien aimée et je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, pour le dernier roman, il s'agit du coup de Calpurnia par Jacqueline Kelly, publié aux éditions L'École des loisirs. C'est un roman dont j'entendais parler depuis longtemps et il me disait bien. Et je trouve qu'il se prête bien à l'été. En fait, on y suit une jeune fille qui s'appelle Calpurnia, qui a 11 ans et qui vit dans le sud des États-Unis, je crois. Oui, au Texas en 1899. Et c'est une jeune fille qui est passionnée par tout ce qui l'entoure et par tout ce qui relève un petit peu de la science et plus particulièrement de ce qu'on appellerait nous la biodiversité, donc que ce soit les animaux ou les plantes. Et elle a un grand-père qui est également passionné par tout ça et de manière plus générale par tout ce qui concerne les sciences. Et du coup voilà, elle va vraiment beaucoup passer de temps avec ce grand-père pour découvrir tout ce qui l'entoure. Donc il y a un travail vraiment de découverte petit à petit où elle consigne tout dans ses carnets, etc. Sauf que Calpurnia donc, vit en 1899 et que la place des femmes n'est pas géniale et que clairement on ne l'encourage pas du tout à faire de la science mais plutôt à faire du tricot, de la broderie, à coudre des chaussettes et ce genre de choses. Ce qui la gêne beaucoup, d'autant plus qu'elle est entourée de 6 frères et qu'elle voit que voilà, ils ne sont pas traités à part égale. Donc bon, j'ai beaucoup aimé le personnage de Calpurnia ainsi que celui du grand-père. J'ai beaucoup aimé le caractère de cette jeune fille qui a envie de faire des choses et qui ne comprend pas pourquoi elle n'aurait pas le droit de les faire juste parce qu'elle est une fille. Donc vraiment voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du livre. C'était ouais, une bonne lecture. Je pense que c'est un livre qui pourra beaucoup plaire aux enfants qui justement aiment tout ce qui concerne la nature. Mais c'est vrai que c'est un livre qui a quand même quelques longueurs. Il fait 500 pages, mais bon, ça se lit très vite, c'est écrit gros, enfin voilà. Mais il y a quelques longueurs dans le sens où c'est le quotidien de l'été avec les petites découvertes petit à petit, mais voilà, il n'y a pas une grosse histoire qu'on suit et qui est haletante.
Et pour ma part, j'ai juste un petit bémol, mais il n'empêche que ça a été une très bonne lecture pour moi. Mais on nous laisse sous-entendre plusieurs fois que le père de Calpurnia a une plantation de coton et ils ont une jeune esclave, enfin pas une esclave, mais ils ont une domestique chez eux. Et on comprend que voilà, tout ce qui est des questions d'esclavagisme ne sont pas très loin et que la place des personnes de couleur n'est pas génial. Et voilà, c'est vrai que ce sont des thèmes que pour ma part j'aime beaucoup, comme je vous en ai parlé dans La colonie d'esclaves. Et du coup, bah, vu qu'on sait que ça se passe dans ce contexte historique-là, j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins quelques petites allusions un peu plus importantes justement à la place de ces personnes de couleur à cette époque-là. Mais voilà, sinon ça a été quand même une très belle lecture pour moi et j'ai mis la note de 17 sur 20. Et du coup, pour terminer, j'ai donc lu une BD, la BD Momo par Jonathan Garnier et Ronnie Autin, les tomes 1 et 2. Donc ici, c'est une intégrale publiée chez France Loisirs, sinon ils sont sortis en tomes séparés chez Casterman. C'est une BD qui est uniquement en deux tomes, donc voilà, là on a l'histoire complète. Et du coup, pour ce qui est de l'histoire de Momo, et bien c'est l'histoire de cette petite fille qui vit dans un village en bord de mer. Et elle est élevée uniquement par sa grand-mère parce que sa mère a priori est décédée ou est partie, je sais plus. Et son père travaille sur des bateaux et du coup il n'est pas là, il est rarement là. Du coup, c'est la grand-mère qui se charge de l'éducation de Momo et la grand-mère vit un peu en marge du village et elle n'est pas forcément. Les gens du village considèrent un peu d'un mauvais œil le fait que ce soit elle qui éduque Momo parce qu'ils trouvent qu'elle n'est pas très bien éduquée, qu'elle fait beaucoup de bêtises, etc. Mais en fait, c'est juste une enfant qui est pleine de vie et à qui son père manque beaucoup et qui a un peu de mal à se faire des amis au début. Elle cherche des modèles en fait autour d'elle pour compenser son manque. Et voilà, c'est une BD que j'ai vraiment bien aimée. Après, je dois dire que je suis pas super fan du trait de dessin des personnages, parce que j'aime beaucoup sinon les couleurs et j'aime beaucoup les décors qu'il peut y avoir, mais c'est vrai que je suis pas hyper hyper fan du trait de dessin des personnages. Mais voilà, en tout cas, sinon ça a été vraiment une belle découverte pour ma part, et j'aime vraiment beaucoup beaucoup le texte que j'ai trouvé très touchant et très mignon. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 18 sur 20 et je vous recommande carrément la découverte. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, faites de belles lectures et passez un bel été. Salut !